Je m'abandonne à vous, c'est en fait une intégrale. C'est l'intégrale des mises en musique des poèmes de la comtesse de la Suze. Pourquoi nous l'avons choisie? Parce que d'après Bertrand de Bassilly, qui est un grand théoricien du chant, dans son traité, il dit que c'est la femme et le poète dont les vers semblent les mieux écrits pour la musique et pour ce genre de l'air de cour. Sans amour et sans tendresse, il n'est point de doux moment. Donc cette femme aussi est un personnage très particulier au XVIIe siècle parce que c'est déjà une femme de la grande noblesse française, protestante, qui déjà écrit sous son nom, qui publie sous son nom, ce qui était très rare et ce qui était en fait en général très mal vu. Donc elle fait fi de toutes les conventions et décide elle-même de publier ses ouvrages, ses poésies. À quoi est passé tout le jour quand on ne songe point à plaire? Et si l'on n'a point d'amour, que peut-on faire? Et si l'on... D'autre part, elle a été mariée à ce fameux comte de la Suze, qu'elle n'aimait pas du tout, et elle a en fait réussi à faire annuler son mariage par le pape en se convertissant au catholicisme. Et là encore, ça montre un trait de caractère très, très trempé et une forte femme. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi dans sa poésie parce qu'elle n'hésite pas à exprimer ses sentiments, à parler de son amour, de son désir en tant que femme. Elle parle aussi bien au féminin qu'au masculin. Et voilà, on trouvait ce témoignage très riche pour l'époque. Mais malgré...